On est parti un groupe de 3-4 au début là pendant un petit moment. Après on s'est retrouvé à 3 avec Nico qui est derrière. Et puis dans une partie montante, Nico a pris un peu de retard. Puis après nous on a essayé de garder notre rythme et puis on est resté à 2 très longtemps. Puis sur la fin on a essayé de finir ensemble en gardant un bon rythme hein, pour bien finir. Donc ouais, ça s'est très bien passé, c'était vraiment sympa. On a fait un bon bout de chemin ensemble, c'était super sympa, les sensations étaient là. Moi ça fait un petit moment que je suis blessé, ça fait presque 8 mois. Donc là, juste le fait de mettre un dossard, c'est du plaisir, donc ça s'est bien goupillé et puis tant mieux. Après voilà, si je peux en profiter, je cours pour une association, l'association Tatiana, qui est syndrome du bébé secoué. J'essaye de faire un peu de prévention là-dessus parce que malheureusement j'ai été touché de près par ça et j'y suis très sensible et donc voilà, c'est une association qui est chère à mon cœur. Bah, c'est un grand plaisir de venir ici, c'est la première fois du coup pour moi. C'est vrai que la première édition, j'étais sur le point d'accoucher. L'année dernière, chute en vélo, donc c'était pas possible. Donc là, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. C'est un parcours très exigeant, avec beaucoup de petites relances, un single très sympa après le ravito, mais très exigeant en effet. Donc je remercie vraiment toute l'équipe de bénévoles qui était vraiment là sur tout le parcours. C'était vraiment très agréable, une très bonne ambiance. Une très belle organisation donc. Et puis bon bah bien sûr c'est un bel entraînement pour venir au Trail des Grismottes dans 15 jours. Je vous invite à tous venir pour partager avec nous les belles couleurs de l'automne. Eh ben, c'est très bien passé, c'était assez régulier. Il y a eu beaucoup de relances, donc des petites côtes où on pouvait envoyer, pas trop longues. Et derrière sur le plat, ça bougeait pas, c'était régulier et c'était vraiment super. Je partais un peu au feeling, je connaissais pas du tout la course. Du coup, je me suis mis dans ma bulle, je suis partie devant. Je me suis retrouvée tout de suite devant, un peu en tant que féminine, hein, au milieu des garçons, mais du coup un peu seule. Et du coup, là, tout le travail, ça a été de se mettre dans sa bulle. Je savais pas du tout où c'était derrière. Et de courir aux sensations pendant tout le long, avec des coups de moins bien, forcément. Sur le haut du parcours, c'était un petit coup dur. Et puis, la dernière partie, elle est très roulante, elle est super agréable. Donc, j'ai pu me faire plaisir, tout en relâchant jamais, parce qu'il fallait assurer la place quand on était arrivé à ce niveau-là.